Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été nombreux à vous passionner pour la rénovation de notre clocher Saint-Fulcron. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et partager avec vous le travail des artisans, des spécialistes en rénovation du patrimoine qui interviennent sur notre monument. On est en train d'examiner les calquinages de pierres qu'a préparé l'entreprise. Donc, il s'agit en fait de repérer les pierres qui sont très endommagées pour les remplacer. Et puis de faire un peu la part des choses entre ce qu'on remplace, ce qu'on conserve. À côté, je prévois ces deux-là. Celui-là, on verra, peut-être pas. Celui-là, quand la pierre est légèrement verte, ça veut dire qu'il y a de la glaisse quand même dedans. Il y a pas mal de... Donc, elle est plus tendre. Celui-là, on les enlève. Et après, on changerait celle-là. Et puis après, en descendant, ce qu'on voit plus. Ce qui est coloré, c'est ce qui va être changé. Alors moi, je viens sur place, je relève tout, je reprends tous mes profils et je prépare le calepin et donc la taille pour chaque tailleur de pierre. Il y a jusqu'à pas longtemps, on faisait un relevé, on enlevait une pierre et on arrivait à relever, à reprendre les côtes par triangulation, alors que maintenant j'ai un scanner et donc je viens sur place, je scanne mes pierres, enfin je fais une photo 3D quoi, et après je retravaille ça en informatique. On a aussi commencé de regarder les quatre statues pour travailler sur leur état et voir quels éléments, est-ce qu'on restituait certains éléments ou pas, qu'est-ce qu'il fallait faire pour leur conservation. Jeudi, il y a réunion de chantier. Donc c'est là que je vais me faire valider ou pas, ou recaler. Et après, si par exemple ça se passe bien, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir commander la pierre et la tailler, puis la poser. Là, c'est du top. Ça, c'est l'estampage brut. Ça, c'est le modillon brut. Et après, ça, c'est le modelage qu'on fait. Alors, un moulage, c'est quand on prend l'empreinte du motif ou de la statue, et après qu'on la coule, et on refait une reproduction grâce au moulage. Mais là, en fait, là, je fais un modelage, c'est-à-dire que je fais la sculpture, je recrée la crosse qui avait disparu, qui était cassée. Je le fais en plâtre parce que je fais une proposition à l'architecte. Une suggestion par rapport à la tête du dragon qu'on verra plus tard. Mmh. On aurait pu, par exemple, prévoir un estampage en pré-modelage et après on modèle dessus. Nous, en fait, on est les mains de l'architecte. On est les mains qui sculptent là pour le coup. Alors on leur propose quand même des choses, mais ils ont le dernier mot et c'est eux qui dirigent en fait. Sur les statues qui sont en place, ne pas de plus les consolider, de ne pas trop en faire, mais par contre sur la copie, oui. Là de restituer le dragon. Ah d'accord, donc l'idée ce serait de ne pas toucher l'original, voilà, de ne pas porter atteinte en fait à l'original, ouais. De faire juste les consolidations nécessaires, ou peut-être des petits compléments, mais de pas dire on va remettre le dragon sur l'original. D'accord. Mais par contre dans la restitution, de le faire. Donc, la philosophie c'est quand même d'essayer de garder le plus possible de matière authentique, de matière ancienne, de changer vraiment ce qui est en trop mauvais état pour être gardé. Donc c'est là qu'on a des choix à faire en fait pour dire ça on conserve, ça on remplace, mais avec toujours l'objectif d'en changer quand même le moins possible pour préserver le plus possible l'authenticité au monument. C'était un peu ce que vous aviez prévu, hein. Il en restait une ou deux en bas, mais moi je change entièrement, sauf la pierre du haut sous chapiteau qui elle est pas abîmée. Alors ça, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ça ensemble. On s'étonnait à un endroit où des pierres avaient été remplacées et on voyait que les joints, donc assez récents, étaient déjà réouverts. Donc c'est signe que les fissures sont encore actives, les désordres sont réglés. Pierre comment elle s'est usée depuis 30 ans. Ouais. C'est la folie. C'est pour ça qu'il faut que les joints soient plus tendres que la pierre. Voilà. Normalement, c'est l'inverse qui aurait dû se produire.
C'est-à-dire que c'est le joint qui aurait dû être creux plutôt que... Et ouais, le joint est trop dur. Est trop dur. Donc la pierre, elle s'use autour. Si on met du ciment, ça fait ça. Mais de toute façon, ça doit être basé sur le ciment. En fait, le joint, c'est le fusible de la pierre. Si on c'est le joint. C'est le joint. C'est le joint qui doit céder avant le reste. Et là, c'est l'inverse. On a fait aussi le point avec le serrurier qui était présent. Il a pas mal d'ouvrages à réaliser. On doit mettre des tirants, justement, pour conforter les maçonneries. On a discuté sur le... Si on faisait en un seul élément, deux éléments, voilà. Il y a des mises au point en fait qui sont nécessaires en début de chantier. Ben voilà, là c'est vraiment le début, on met au point un peu tous les ouvrages des différents intervenants. Il y avait aussi le maître verrier qui nous a montré ces petits échantillons de verre pour les deux menuiseries qu'on doit faire pour les baies du premier étage. Après vraiment dans le vif du sujet avec la taille, les échantillons de taille de pierre, les échantillons de mortier, valider les calepins. Mais bon, pour le moment, ça va.